Eh bien, on va reprendre une deuxième partie, toujours avec un répertoire de Boris Vian, des chansons avec des thèmes qu'on ne chanterait plus maintenant, bien évidemment. Des chansons plus du tout d'actualité, comme celle qui va venir et qui s'appelle « La Java des bombes atomiques ». Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur serait tout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, c'est pas beaucoup plus vaste, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche les résultats, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite.
Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était un peu petite. Et puis quand ils sont tous entrés, il les enfermait en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé... De tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant le résultat, ne se dégonfla pas et joua aux andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'admistia. El pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement. On est d'accord, hein, c'est plus du tout d'actualité. C'est comme, par exemple, la chanson qui va suivre. Tiens, on n'aurait pas l'idée d'écrire une chanson, par exemple, qui a été écrite au début des Trente Glorieuses. Donc, vous voyez cette période, là, des Trente Glorieuses, c'était une société de consommation où chacun achetait plein de choses. On n'aurait pas l'idée de faire... Mais non, ça n'existe plus, ça. C'était une époque où il fallait avoir son tabouret à glace, son repasse limace... Son chasse-filou. Ah, et sa tourniquette à faire là. Eh oui. Non, maintenant, on n'écrirait pas une chanson, on n'attendrait pas le dernier iPhone 20. Oui. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du nanopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette à faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux et nous serons heureux. Qu'est-ce qu'on sera heureux? Allez, viens, je te ferai une petite vinaigrette, vite fait. Que l'on se querelle, l'air lugubre en s'en allait, en prenant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repasse limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'armoire poussière.
à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux sauces savates, à canon à patates, à l'écorce savate, à l'écorce poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui nous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraîne. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup. C'est Dominique qui nous a donné à manger des trucs qui étaient durs un petit peu. Oh. Ah bah oui, ça, bravo. Hein. C'est il n'y a pas un dentiste dans la salle, non? Des fois. Bon, bah tant pis. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh, oh, oh là là, sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Oh, 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 qui est dentiste de son état et qui saura m'arranger ça. La salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh, oh, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux mastards. Oh, oh, oh. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie au suivant. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh, oh. Fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh, oh, voilà qui me plombe mes deux plus belles dents, celles que j'ai par devant. Oh, oh, il me grille la gueule au chalumeau et il me refile un grand verre d'eau. Il me dit, faut régler votre dette. Ah ben, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fausse toute mon oseille et me refile 50 balles nettes. Oh, oh, maman. Et il ajoute en rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Et moi, je gueule ce soir. Le blues du dentiste dans le noir. Et moi, je gueule ce soir.
noir. Bon, on mort, c'est plutôt en plus, est-ce que vous m'envoyez de la purée ou quoi? Quand j'étais jeune, on me disait « mal de dents, mal d'amour ». Alors l'amour dans tout ça? Ben oui. Combien de chansons d'amour existent-il exactement? Tiens, peut-être que la chanson n'a été inventée que pour parler d'amour, finalement. Ben oui. Par exemple, une chanson a pu être inventée, la chanson a pu être inventée, pour parler au canon et convaincre les tambours pour tenir dans ses mains le monde entier. Quand on a quel amour, c'est un autre chanteur. Quand je rentre chez moi le soir, je me lave les pieds sans retard et j'enfile mon pyjama rayé pour aller me coucher. Sitôt que je suis dans mes draps, c'est la fin de tous mes tracas. Dès que je mets la tête sur l'oreiller, je commence à rêver. Il m'arrive des trucs terribles le soir dans mon lit. Je tire des lions comme à la cible et je joue des grizzlies. Dans les journaux de la ville, j'ai ma photographie en grand format et les femmes s'offrent à moi. J'escalade des montagnes, je bats des records. Je trafique de la cam du pôle sud au pôle nord. Et la reine d'Angleterre suggère de remplacer le prince consort. Je franchis le mur du son sans ressentir un frisson. Je donne des interviews et l'on me trouve un talent fou. Des salles entières m'acclament debout. Je suis le premier pilote à prendre la fusée qui va porter sur la lune la recette du bœuf braisé. Je suis un vrai surhomme. Je sais voler de succès en succès. L'autre jour, j'accours au bureau et je raconte tout de go les exploits de mon esprit mutin devant tous les copains. Il y avait Gabi, la secrétaire, qui écoutait sans en avoir l'air et qui murmure « Oui, tout ça, c'est merveilleux, mais je vous propose bien mieux !» Il m'arrive un truc terrible ce soir dans mon lit. J'ai le trac, c'est infernal, je me sens petit, petit. Pas question que je dorme. Gabi est là, étendue près de moi, et je suis pas plus fier que ça. Quand ça m'arrivait en rêve, je savais comment faire. Je tombais sans coup férir des filles au sein de fer. Mais Gabi me regarde, et ça me fait des trous dans l'estomac. Elle s'approche un peu, elle a de grands yeux bleus et de longs cheveux blonds qui s'entortillent dans les boutons de mon pyjama en toile d'avion. Mais voilà qu'elle m'embrasse et je sens tout tourner. Plus de lion, fini la chasse, je suis ratatiné. Adieu mes rêves sages, plus d'aventure et pourtant je sens bien que celle-là recommencera demain soir et après-demain. Demain soir et après-demain. Demain soir et après-demain, jusqu'à la fin des fins. Hey! Jusqu'à la fin des fins. Soir dans mon la chanson dit « Adieu mes rêves sages ». Un artiste doit-il être sage? Écrire et transmettre avec sagesse les choses, oui. C'est ça aussi une chanson. Bon, je vais la retenter celle-là. Parce qu'après tout, mais tant que ça ne marchera pas, j'essaierai. Parce qu'après tout, ici sur Terre, nous ne sommes que des passages. Bon, c'est pas terrible, ça ne marche pas mieux. Non, je crois qu'il faut... Non, pas celle-là. Pas celle-là, c'est dur. Bon, hé hey, dans tous les cas,
On n'est pas là pour se faire engueuler. Un beau matin de réveil, c'est le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard, pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par des agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si vous ferez les lois à la mort, ça fera du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on se regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai amené dans un petit bistrot où l'on boit un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit eh oh, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours chez toi, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Sinon, ma parole, le prochain coup, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, qu'on a trépassé le soir même, et voilà, qu'on se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, Saint-Pierre se met à refouler et à râler. Alors j'ai dit, eh oh, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Alors on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Alors je vais vous présenter les musiciens de cette soirée. Tout d'abord, l'initiateur du projet, parce que c'est bien ce monsieur, qui s'appelle Jean-Michel Vecle, au clavier. Le plus italien du groupe, monsieur Roberto Fedele à la basse. Le gamin de l'équipe, Stéphane Garaffi, aux trompettes et bugles. Le plus batteur de nous tous, Michel Bidot. Mesdames, Messieurs, un petit moment solennel pour vous présenter le maître de la soirée, le plus du groupe. Celui qu'on connaît le moins. Celui qu'on connaît le moins. Je pense pareil, final. S'il vous plaît, une ovation pour Monsieur Philippe Roussel. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole.
On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Alors on est descendu chez Satan et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Jean-Michel, Roberto, Stéphane, Michel. Alors, ce soir, c'est vrai qu'on a découpé cette soirée. Normalement, on va essayer de faire un spectacle qui dure à peu près une heure et demie. Donc, c'est ce que vous venez de voir jusqu'à présent. Et ce que vous allez écouter et entendre maintenant, les deux, trois petites choses qu'on peut faire pour rester un peu entre nous, sont pas tout à fait encore travaillées. Mais bon. Dernier journal, dernier croissant, matin banal, dépassant. Et c'est la fin du problème. Dernier soleil, dernier atout, dernier café, dernier sou. Adieu, je m'en vais de vous. Dernier remords, dernier hôtel, dernier amour, dernier baiser, dernier jour. Adieu, les choses que j'aime. Dernier remords, dernier cafard, dernier décor, dernier soir. Je m'en vais sans au revoir. Dernière valse et pas de lendemain. Mon cœur n'a plus de peine. Dernière valse à l'odeur du sapin et les quais de la Seine. Dernier bonsoir, un peu à vous, dernier espoir, dernier tout. Dormez, la nuit est si calme. Dernier trottoir, dernier mégot, dernier regard, dernier saut. Plus rien qu'un grand rond dans l'eau. C'est donc une chanson intitulée « Dernière valse » qui a été interprétée entre autres par M. Serge Reggiani, à ne pas confondre avec un autre chanteur. Et donc, on en fait encore une ? Je l'attendais le haut nom. Alors celle-là, attention, à prendre doucement, hein, Mozart. Ah oui, oh, bah oui, mais on va la prendre doucement, on va la tenter. Oh
autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et marquises aux frais minois, pour un menu et timide escuisset, trois petits pas, grâces envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile aux résonances d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, dont tu n'existais pas encore, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie qui fit 100 fois le tour du monde et que Mozart a négligé d'agrémenter de quelques tcha 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 et que je rendrai tout gay dans ses libres unités du monde, oubliant le temps, prêt à prendre sous pianoté vos petits plats. Tap tcha tcha, tcha tcha tcha, mais c'est notre vieille marche turque. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, venez marquise, écoutez ça. Tout près d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs s'en vont danser le tcha tcha tcha. Et la fraîche odeur des roses vient parfumer leurs ébats. Sous le ciel troublant des nuits de gala, quand un beau danseur serre une fille entre ses bras, dans les yeux de sa compagne, il sait ce qu'il trouvera. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, ce gai refrain qui nous enivre. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, et qui jamais ne finira. Que ce soit Rio, Paris, New York, les Dardanelles, on ne peut résister longtemps quand on entend venir le tcha tcha tcha. Rythme tropical au centre d'ordre de cannelle, emporte-nous bien loin tout ça, la graisse et dans la joie. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, nuit étoilée sur le Bosphore. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, drôle de truc turc ce truc-là. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, oh non vraiment on n'est pas fort. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, Mozart ne méritait pas ça. Oui, mais faut bien vivre. Peut-être je vous propose d'en chanter une avec nous, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était la chanson la plus connue et que je sentais que vous aviez envie de la chanter, mais comme je ne l'interprétais pas tout à fait pareil, c'était pas forcément simple. Parce que vous connaissez toutes ces paroles. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des guerres. Quand j'étais prisonnier, on a volé ma femme, on a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Thank you.
dirait ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils